Moi c'est Ezekiel, mais on m'appelle Ezekiel Larou. Moi c'est Corentin, mais on m'appelle Schwarzenegger. Moi c'est Kylian, hein. On m'appelle Juan Pedro, le roi des Paritas. Sinon vous faire un braquage. Sinon vous faire un braquage. Vous rappelez bien du blanc. Mais y'en a pas. Donne-nous de l'argent de la caisse, s'il te plaît. On avait dit de lui dire quand Thiago nous libère. Thiago? C'est qui Thiago? Et moi c'est Thiago. Thiago n'a pas d'heure. Parce que je suis toujours à l'amour. Ouais. Pourquoi vous avez fait ça? C'était pour acheter le tout nouveau barbecue Weber multifonction avec 70% de réduction. Les gars, on n'est pas bien là. Mais c'est super, on pourra passer de merveilleuses après-midi barbecue. On nous aura bien servi ce break, en tout cas, ouais. C'est moi qui vous le dis. Hein. Et merci papa. Merci papa. Voyons voir si la viande est bien cuite. Le barbecue, charcuterie. Bah il est où ton mec toi? Bah il est en retard hein, comme d'habitude hein. Ça va Ezekiel? Enfin, pas l'air au top quoi. Oui la viande elle est un peu dure, oui mais c'est bon. Non mais elle est surtout pas cuite la viande. Mais c'est pas ça le problème Ezekiel. Enfin, t'en as pas marre de toujours tenir la chandelle? La chandelle? Mais la chandelle tu m'as pris pour Louis XVI ou quoi toi? Non mais Ezekiel idiot. Tu n'as pas de meuf, c'est ça le tracas. Mais laissez-le, le pauvre. S'il veut pas de meuf, c'est son choix. Faut pas l'obliger. Mais arrêtez, wesh hein. Non, mais attendez les filles, là. Qui? Qui? De quoi, quoi? Non, mais qui a demandé? Allez, cassez-vous, là, je peux le voir. Mais tu te sens pas seul sans meuf? Ou alors, c'est pas les meufs que tu recherches? Quoi? Moi? Les mecs? Et moi? Faut... Oh, Léo, je fais pas ce genre de truc, moi. Oh, fada. On s'inquiète juste pour toi, BG. Mais ça va, hein. Je suis assez grand pour me débrouiller tout seul. Tu peux encore aller? Ah! Et non, pas du tout, en plus, d'abord. Mais les gars, tranquille, y avait pas de pression. C'est pas comme si je rêvais d'avoir une meuf, quoi. Ezekiel. 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 Oh oui, Ezekiel. Plus comme ça, Ezekiel. Ezekiel. La roue tourne, Ezekiel. 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 Qui tourne comme une roue, Ezekiel. Putain, me sens encore poussé dessus. Vous avez 4 fois ce mois-ci, il fait chier. Ils ont raison. Il me faut une meuf. Mais Quentin, j'ai toujours trop de meufs. J'ai trop de meufs. Mais Ezekiel, qu'est-ce que tu fous là? Il est 2h du mat. Pourquoi t'es en calbar, frérot? Je suis déterminé. Tu t'es encore pissé dessus? Non, j'ai uriné. Oh putain, mais t'es con. Et du coup, t'es déterminé pourquoi? À trouver une meuf, c'est bon, vous m'avez convaincu. Non, mais tu sais qu'on te charriait cet après-midi, enfin, c'était entre potes, les rigolades, les blagues, enfin, pipi caca. Et tu chiales là? Non, c'est la pluie. Ouais, hey, tu sais quoi, on en reparle demain, quand je serai moins fatigué, toi tu seras moins pisseux, ça te va ça? Ouais, pas mal hein? Ouais. Allez, bonne idée. Ouais, allez, à demain. Pourquoi t'as dormi là toi? Je suis déterminé. Ok. Allez, concentre-toi bien, Ezekiel. Ça va bien se passer. Je crois que je vais rentrer chez moi. Comment ça? Je regardais Naruto. Oh, quel épisode? Épisode 20. Ah, pas mal. Quand Naruto va sauver Gaara. Ah, ouais, j'aime bien. Ouais, ouais, franchement, ouais. Bon, du coup, les gars, hey, t'inquiète, ça va bien se passer. Juste pense à ce qu'on t'a dit. T'as encore pété? Là, ça me saoule. Personnellement, ça me. Ouais. Bon, allez. Le mot d'ordre, c'est l'humour. Les meufs, elles adorent ça, tu vois. En tout cas, pas la tienne, gros bâtard. Vu comment t'es pas drôle. Non, mais fallait qu'on te le dise, c'est là que pour ton argent. Non, les gars, on est là pour Ezekiel. On est pas là pour moi. Écoute, Ezekiel, comme dit le dicton, une femme dans ton lit qui rit à moitié sera souvent dans ton lit dans le matin. Non, mais c'est l'inverse, ça. Bon, ferme-la. Bah, vous m'avez pas dit grand-chose, en fait. Non, tu trouves ta cible. Normal. Tu te présentes. Normal. Tu fais ta petite blague. Normal. Tu vois, et ça va bien se passer. Mais attention, sois poli et courtois, parce que sinon, c'est juste de l'harcèlement de rue, en fait. Mais c'est débile ce que tu dis là. Bah, c'est un peu ça. Non, je te dis, quand tu fais comme ça, les gars, non, tu vas lui dire. C'est le monde, les gars. Ça pas du tout. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, il faut bien faire des blagues. Naruto. Mais une arme, il va. T'as quoi? Tu te présentes? Je me présente, je m'appelle Ezekiel. On m'appelle Ezekiel Larou.
Pourquoi? Parce que je sais faire la roue. Ouais. Tu veux boire? Non, merci, non, ça va. Ah, tu fais ta petite blague. Je me présente pour savoir si tu l'as vu. Qui ça? Mon cul. Ouais. Si t'aimes pas mes blagues, tu vas sûrement aimer mon argent. Elle se retourne. Elle se retourne. Elle se retourne. T'as de l'argent? Ouais. Non, j'ai pas d'argent. Tu me raquettes ou quoi là? On est où là? Non mais les gars, on a vu ce chien sur le trottoir là. Non, tu veux dire cette agneau à l'abattoir? Bah ferme-la toi, putain. Non mais c'est insupportable. Non mais copain. Ensemble. Physiquement. Ah bah super idée ce dragage. T'étais juste pas assez préparé, c'est pas grave. C'est pas parce que le caillou est tombé dans l'eau que la montagne va être forcément inondée. Et là. Attends, ça veut rien dire ça. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est qu'on peut pas tout réussir du premier coup. Oh, attends mais... Ça t'a rajouté quelques neurones là, la patate de forain qui s'est prise. Ah, elle est là. Qui ça? Mon cul. Allez, cassez-vous là. Non, mais je rigole, reste là. Je vais qui voir l'âge? Comment j'ai pu sortir avec un truc pareil quoi? Moi je vois que j'ai ou bien ces animaux du troupeau. Ouais, c'est ça. Alors, il est où le puceau? Ouais, bon, Thiago et Kylian, venez, on va sauver la grosse dernière. Oh, t'inquiète, elle va juste prendre le soleil. Mais t'es bête ou quoi? Ah, ouais, la grosse daronne Inès. Bon, Ezekiel, on va pas demander, hein. T'as déjà du mal à penser tes couilles. Alors, c'est ton handicapé mental? Ça avait très bien marché, je vois pas de quoi tu parles. Je savais pas que je pourrais pire que le clébard qui te sert de pote. Bon! On a appelé Super Inès, la queen, la plus belle, la plus intelligente à la rescousse, parce que monsieur a du mal à communiquer avec les filles. Wow! Bon, comment tu t'appelles? On m'appelle Ezekiel. On m'appelle Ezekiel Laroux, parce que je sais faire la roue. Ouais! Bon, je vais pas tourner autour du pot pendant 2 heures. Est-ce que tu as déjà trempé le biscuit? Ça m'arrive de tremper mes pimes à l'orange le matin dans le biscuit, ouais, mais pourquoi? Non mais est-ce que tu l'as déjà trempé? Et où est-ce que je suis censé le tremper? Bah là où t'es censé le tremper! Comment ça, y'a un endroit où je suis censé le tremper? Est-ce que t'as déjà roulé une pelle au moins? Une pelle? Mais tu m'as pris pour un putain de jardinier, c'est quoi ces questions bizarres? Je suis en entretien d'embauche! Oh, c'est pas le ton avec moi, le mioche! Le ton, et maintenant tu prends pour un poissonnier? C'est toi la poissonnière, là, vu comment tu gueules! Petit con, moi! Hé, la grosse vache! Mais comment ils font des bébés là? Je sais pas là. Il est quoi? Alors? Y'a rien à faire, c'est un info votre pote. Oh putain! Mais t'es sérieuse, pour une fois que je mets ma fierté de côté. En plus, la dernière fois, t'as mangé tous mes pimps à l'orange, obèse que t'es. Je te demande un minimum d'aide. T'es même pas capable de faire ça quoi. Oui, c'est ça, blablabla. Bla, bla. Tu mangeras tout seul plus tard, je dois aller les rejoindre. Blablabla, bla, bla. Pour qui? Et tu vas voir qui du coup? Mon cul, casse-toi, pédale. Oh! C'est moi qui les avais achetés les pimps, ok? Et si je suis grosse, c'est génétique. Ah, tu diras ça à ta grosse daronne. Arrête de regarder toi là. Ah, ça va, je danse. Ezekiel, ça va? Qu'est-ce que t'as fait encore? Vous l'avez payé. Mon frère, Ezekiel Laroux, parce qu'il sait faire la roue. Qu'as-tu pu dire à une vache pareille pour que ce soit même fichu? Mais je sais pas moi, elle a commencé à me parler de pâtisserie avec son biscuit là, et Jarnier avec ses pelles roulées. Et ben Jarnier lui a mis un râteau, voilà, bim! Dans sa tronche. C'est ouf, hein. Non, mais c'est un cas désespéré, quoi. Il a pas les neurones connectés, il est pas là, il est... T'es là, t'es pas là, t'es où? C'est pas totalement perdu. Mon frère, si avec ça tu n'arrives pas à séduire de belles gazelles, quoi. Et comme dirait Greta Thunberg, vaut mieux 2 verges folles que 2 verges pas molles. Ok, ouais, t'inquiète. Bon les gars, si vous voulez que je rejoigne le FC Homme en couple, je vais pouvoir modifier mon profil à mon image. Mon frère, tu es complètement malade. Ils ont fait pipi dans ta tête. Tu vas rester dans la S célibataire comme ça toute ta vie sinon. Tu n'as pas compris le principe? Il n'a pas compris. Alors là c'est bon les gars, vous en avez pas marre de m'humilier là? Vous avez payé une meuf tout à l'heure pour qu'elle me parle? Vous impliquez trop parce que vous me prenez pour un incapable? Depuis tout à l'heure je les évite que mon cœur il lâche. Vous savez que je suis un mec sensible aussi. Attends, tu pleures là? Non, c'est la pluie. La pluie de l'eau. Je dis stop les gars, stop! Stop, on arrête! Vous m'avez saoulé, j'entends de regarder mes dessins animés. Non mais on comprend Ezekiel, ta réussite c'est la nôtre aussi. Enfin, tu sais qu'on tient à toi. Tu
peux mettre que tu préfères Bulle Bizarre à Salamèche. Parce que t'es un mec différent, je te jure, ça va cartonner. Ezekiel, mon ami qui fait la roue, tu as raison. Son profil, il le tient, pas le nôtre. Fais-en ce que tu veux. Ça dit quoi, là, Nico? Allez, donne-moi ça. Zéro match, en 3 heures. Attends, votre compte a été supprimé, car c'est impossible que ça aille majeur. Mais quand même aussi, pourquoi tu mets des photos de toi avec les Teletubbies? Les mettre en partie politique chasse et tradition, alors que t'as peur des animaux. Je crois que c'est vraiment pas pour moi, les meufs. Pété de l'air, mais tu dis ça comme si c'était un sport. Ouais, bah, votre drague, là, bah, c'est pas pour moi. Moi, je préfère attendre la bonne. Ouais, bah, tu vas attendre longtemps. Comment tu veux qu'elle te trouve alors qu'elle sait même pas que t'existes? Elle le saura au fond d'elle. Comme si, à la naissance, on nous avait mis deux aimants qui se rapprocheront tout au long de notre vie. Oh, mais les gars, y'a plus rien à faire, hein. Il nous reste une dernière chance. Bonjour, monsieur. J'ai du drôle colique. Merci. Vous voulez, je vous installe? Oui, s'il vous plaît. Par ici, s'il vous plaît. Voulez-vous le menu? Oh oui, s'il vous plaît, monsieur. Et vous savez, aujourd'hui, c'est mon premier date de... Qui? Oh, bah avec une jolie fille, je sais. Mais qui a demandé, frère? Oh, bah les couilles de ta vie, là, Star Fubanks. Il est fou, lui. Bah, falloir sortir le grand jeu. Le date ultime. Mais les gars, vous êtes des tarés, ça va jamais marcher. Le problème, c'est qu'aucune meuf n'accepterait de sortir avec un mec comme ça. Plusieurs heures avec lui. Non, les gars, je vous dis, quand t'es pas habitué, c'est chaud. C'est chaud. Non, tu vois, moi, je me dis qu'il y en a au moins une quelque part. Non, mais tu sais très bien qu'on connaît aucune autre meuf à part la nôtre. Je vais pas laisser ma reine, ma queen, 10 minutes avec ce taré. Est-ce qu'une seule solution? Non, les gars, hey, oh, oh, non, les gars, c'est mort, c'est mort, c'est mort. We can make it if we try. Waouh! Comment t'es trop magnifique! Merci. Mais les gars, jamais de la vie! Jamais de la vie je m'habille, les gars! Pensez à Ezekiel, c'est horrible pour lui quoi! Justement, toi, pense à Ezekiel! Le bien que ça lui ferait! Non, mais c'est bon, de toute façon, il va cramer! Ouais, bon, ok, il va pas cramer, c'est bon. Waouh, comment t'es trop magnifique, du magnifique! Je vous laisse consulter. Bah, du coup, bah, je vais prendre les pâtes! Hein. Des pâtes! Moi aussi, je vais prendre des pâtes! Waouh, comment on a déjà plein de points communs! C'est un truc de taré! C'est Corail, c'est ça? Corail, oui! Et toi? Moi, c'est Ezekiel, mais on m'appelle Ezekiel Larou. J'ai un grand passé de gymnaste. Waouh! Waouh! Impressionnant! Et encore, t'as pas tout vu, hein? Parce que quand je suis bien échauffé, j'en fais deux d'affilée! Messieurs, dames, qu'est-ce que je vous sers? Qu'est-ce que je te sers, Corentin? Coco, hé! Corentin? Corentin! Corentin, ouais, c'est mon deuxième prénom! Il m'appelle Coco et tout, genre, moi je m'appelle Coco! Bah, du coup, on va prendre les pâtes! Et sinon, tu recherches quoi si c'est un mec? Bah, du coup, j'aime les mecs grands, fins, bruns, musclés, comme Shorty, tu vois? Genre, ah, bah, ça tombe bien, c'est tout à fait moi, c'est toute la description que tu viens de faire! Grand, musclé et tout! Contracte là, non? Oh, oh, respire, frérot! Hey, respire! Du coup, tu recherches quoi, toi, chez une fille? Une fille. Juste une fille qui veut de moi. Et t'es parfaitement dans mes critères. Ah bon? Tu fais ta petite blague. Mais, faudrait que je te le présente. Qui ça? Mon... Non, personne. Mais t'es con ou quoi? T'avais l'occasion parfaite, là. Ah non, mais t'es con, toi, Moi, con, tu trouves? Pas cool. Encore en retard, je suis désolé. Chiche! Regarde ça. Oh, l'idée de fou. J'avais oublié. Par contre, je sais toujours pas cuisiner. Hein. Mais comment tu fais quand t'es tout seul? Je subis. Coquillette, jambon beurre. Encore cramé. Il faut de l'eau? Je savais même non, pas. Non, mais c'est pas possible d'être incapable comme ça. Mais vas-y, moi aussi là, Star Fubanks. Mais allez, vas-y, cassez-vous, y'a rien à manger. Bien? Ouais, bien. C'était vraiment bien, hein? Ah oui, là, je suis vraiment séduite, hein? Oh.
Alors, c'est bien passé? Ah les gars, c'était exceptionnel. Je vous avais dit que je pouvais y arriver sans votre aide. Oh le bâtard. Trop fort quoi. Mais bien sûr, sans mon conseil, je serais vraiment rien. Merci. Du coup, elle est où la meuf? Elle est partie, envolée, disparue, subjuguée. Enfin, c'est... Est-ce que t'es un homme heureux, ma? Je crois de bien quoi. Mais depuis quand tu te maquilles, toi, Corentin? C'est une longue histoire. Ça, c'est mes potes, ça. Yes. Les gars, je suis pipi, c'est vrai. Let's go. Mais du coup, il y a toujours pas de meuf? Je suis amoureux. Écoutez, c'est qu'elle. Comme le dicton, il dit, ça va?